perdu son père mort il y a 10 ans dans un accident sur un chantier près de Dakar, Monsieur Samba Cissé a dû abandonner l'école, laisser sa mère et ses deux sœurs pour venir en France et subvenir aux besoins de sa famille. Passe le bonjour à tout le monde et puis tu leur dis que je vais bien. Avec ton grand-père. Oh, qu'est-ce que tu fous? C'est quoi votre nom? Samba Cissé. Samba, comme la danse. J'avais fait une demande de titre de séjour. Ils m'avaient déjà envoyé des réponses pour dire bon, comme quoi, ils sont pas d'accord. Mais nous, on va essayer de faire valoir vos droits et puis on va tenter de faire sortir d'ici. Là, tu vas t'habiller autrement. Comme un homme d'affaires qui va au bureau. Vous devez toujours rester discret. Mais au bout de combien de temps? Au bout de un an. Comment je vis, moi? Comment j'ai fait avec le loyer? Il y a des gens qui comptent sur moi. J'ai besoin de 10 manœuvres sur un chantier. C'est un ami à moi. Oui, c'est vrai. Tu connais la pub Coca-Cola? Quoi? Mais arrête de faire ça. Travaillons maintenant. C'est fini, Coca, l'a terminé. Retournez travailler, c'est fini. Merci, Alice, pour tout ce que vous faites pour moi. Faut garder la distance, parce qu'après, ça peut vraiment faire mal s'ils sont renvoyés. Allez, on se casse. C'est ce qu'il y a. Vas-y, barre-toi, on a les flics qui vont. S'il vous plaît, Manu. Je pars. Balance les pompes. Je t'ai dit balance-moi les pompes. Tu m'as pas dit balance-moi les pompes. Ben fallait dire balance-moi les pompes, t'as pas dit ça. En ce moment, j'ai l'impression que je déraille complètement. Ça, mais j'ai une petite expérience dans tout ce qui déraille. Tu bosses, tu envoies de l'argent au pays, et puis t'as tout le temps peur de te faire attraper. Si un jour t'oublies, t'auras qu'à crier ton prénom. Comme ça, les gens ils croiront que t'as envie de danser.